Dans ce second tutoriel, nous allons utiliser le logiciel Open Orienteering Mapper pour géoréférencer notre carte de course d'orientation. Donc à partir de l'interface principale du logiciel, nous allons créer une nouvelle carte. Nous allons bien choisir ici dans la bibliothèque des symboles ISS KIOM 2019-10000. Dans un premier temps, nous allons immédiatement adapter l'échelle à notre carte de CO, en l'occurrence 1500e. Nous cochons les différentes cases d'options et nous validons. La suite demande l'importation de notre trace GPX bien cliquer ici sur la fenêtre de dialogue qui s'ouvre sur Géoréférencer, de modifier ici dans un premier temps dans le menu déroulant le choix proposé par défaut, puis de revenir sur le système de coordonnées de référence UTM. De vérifier que le bouton radio coordonnées géographiques est bien validé et de cliquer sur le bouton OK pour cette première phase. Aucune modification est effectuée ici, simplement la validation en cliquant sur OK. Nous apercevons à l'écran le tracé des quatre points que nous vous avons relevés précédemment sur le site donc de Visorando. Ensuite, il consiste d'importer notre carte de CO au format JPEG. Donc, en cliquant sur le menu modèle, ouvrir un modèle, on va choisir notre carte de CO. On précise bien à ce moment-là la résolution de la carte et l'échelle de la carte, donc 1500. Je clique sur Ouvrir, ma carte s'affiche. Pour connaître la résolution de ma carte de CO, j'effectue un clic droit sur l'image JPEG de la carte. En bas dans le menu contextuel, je clique sur Propriétés, j'affiche l'onglet des détails et je lis au milieu de l'écran une résolution de 300 ppp, c'est-à-dire de 300 points par pouce. Je reviens maintenant donc dans Open Orienteering Mapper et nous avons donc à l'écran d'une part notre fond de carte de course d'orientation et ici le positionnement de notre trace GPX. L'étape suivante consiste à faire coïncider les quatre points de cette trace avec les points de la carte de CO. Alors, cette étape est très très importante, il faut vraiment la faire avec beaucoup de précision car elle va conditionner la qualité du référencement de notre carte par la suite et donc du positionnement GPS des postes que nous allons effectuer à la fin. Alors pour cela, nous allons ajuster donc ces points de la trace GPX avec notre carte de CO. Pour ajuster la carte de CO à la trace GPX, il faut cliquer en bas de l'écran dans Open Orienting Mapper sur le petit bouton Ajuster. Une fenêtre s'ouvre. Nous allons donc faire l'opération 4 fois de suite, c'est-à-dire en partant de la carte de CO, faire correspondre chaque fois le point de la trace. Pour cela, on clique sur Nouveau pour préciser le premier point de calage. Nous allons donc repérer ici sur la carte de CO la clôture à l'angle des jardins familiaux. Nous allons faire correspondre ce premier point avec le point de la trace. Nous allons procéder ainsi de suite pour les différents points dans l'ordre. Le troisième et le dernier.
Quand les différents points sont calés, on applique en cliquant sur le bouton tout en bas à droite de la boîte de dialogue et on obtient notre premier résultat. On vérifie si la correspondance est correcte. Il est naturellement possible de recommencer ce calage des différents points. On va revenir ici dans le menu carte pour afficher le géoréférencement. Il est possible que le système de coordonnées de référence soit repassé en local. Nous allons revenir ici sur UTM. La zone UTM apparaît peut-être différente. Nous allons donc procéder à une correction. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site de Géoportail. Repérer l'un des quatre points remarquables que nous avons utilisé pour créer la trace GPX et afficher les coordonnées de ce point. Dans les paramètres de Géoportail, nous vérifions bien que nous sommes sur un système de référence UTM. Nous choisissons d'annoter la carte en prenant simplement le positionnement d'un point. Nous le positionnons le plus précisément possible et avec un clic droit, nous allons afficher les coordonnées du lieu. Les coordonnées vont être recopiées. Nous vérifions bien que nous sommes en coordonnées géographiques. Nous allons donc maintenant saisir les coordonnées relevées dans Géoportail dans l'écran d'Open Orienting Mapper. Après avoir saisi les coordonnées géographiques, ne pas oublier de cliquer sur Calculer. Dernière opération, nous allons choisir sur la carte le point correspondant à ces coordonnées géographiques. Après cette dernière opération, nous validons en cliquant sur OK. Dans l'onglet Vue, nous allons afficher les coordonnées, non plus comme les coordonnées de la carte, mais coordonnées UTM. Nous apercevons dans l'angle inférieur droit d'Open Orienting Mapper que désormais nous avons ici des références en mètres qui correspondent au positionnement de la souris sur la carte de course d'orientation.